Bonjour, je m'appelle Salomé, j'ai 26 ans. Je suis non-voyante et actuellement doctorante en biologie et j'ai eu l'immense privilège d'être la lauréate du prix Thierry Sellerier Femmes et Sciences en 2021. Ce prix, il va m'aider à atteindre mon objectif qui est de devenir chercheuse en biologie. Il me permet par exemple l'achat de matériel informatique spécialisé pour adapter mon travail actuel à mon handicap, mais aussi pour que la transition entre mon doctorat et mon post-doctorat se passe dans les meilleures conditions possibles. Et donc grâce à ce prix, j'envisage la fin de ma thèse avec une plus grande sérénité. Mais ce prix, c'est aussi une valorisation de mon parcours, c'est une réelle reconnaissance et c'est surtout un encouragement très précieux parce que son existence signifie que certains sont prêts à croire qu'on peut être une femme scientifique en situation de handicap et donc on peut continuer d'y croire nous aussi. Et c'est pour cette raison que je veux vraiment vous encourager à candidater. Le temps qui est requis pour la préparation du dossier de candidature est vraiment raisonnable. Et je pense que lorsqu'on est une jeune femme en situation de handicap et que l'on veut construire un projet ou une carrière scientifique, on doit se saisir des opportunités qui nous sont offertes pour pouvoir y parvenir malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Le prix Thierry Sellerier Femmes et Sciences, il est cette opportunité pour moi et il peut l'être pour vous aussi.